Le show le plus show de tous les shows est de retour ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue ici ce soir, à Saint-Louis, Missouri, pour un nouvel épisode de Monday Night Raw. Et donc, mesdames et messieurs, on va commencer ce show tout simplement avec notre architecte préféré, notre Kingslayer, Seth Freakin' Rollins. C'est un nouvel épisode qui se dirige vers nous tout de suite avec Seth Rollins, mais la question est de savoir qui va-t-il affronter ce soir. On sait que le main event sera un nouvel affrontement entre notre champion universel AJ Styles et le vainqueur du Royal Rumble 2018, The Big Show, car les deux vont s'affronter lors de WrestleMania pour le titre. Mais Seth Rollins, lui, n'a toujours pas trouvé sa place pour WrestleMania, il n'a pas de match. Que va-t-on faire de Seth Rollins lors de WrestleMania? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, hein. Un WrestleMania sans Rollins, ça c'est déjà vu, mais on aimerait éviter quand même. En tout cas, on sait que lors d'Elimination Chamber, il a osé couper le Rock en pleine promo. Et ça, ça va se payer un jour ou l'autre. Et The Rock, pour l'instant, il n'a pas donné de nouvelles et il n'a pas fait de retour, hein. Donc, on pensait à un affrontement entre les deux, The Rock contre Seth Rollins. Eh bien, pour l'instant, ce match n'a pas lieu. Et on se pose la question si ce match aura lieu, tout simplement. C'est un adversaire de taille ce soir pour Monsieur Rollins, en la personne de Kane. Oh, The Big Red Monster est là ce soir à Raw. Le feu est de retour. Il va tout cramer. Il va tout cramer, Kane. On rigole pas avec Kane. Seth Rollins contre Kane. Oh yeah, moi j'aime bien. Ah, j'aime bien, ça me va. Comme premier match de la soirée, ça me va. On aura également ce soir notre championne féminine de Raw, Becky Lynch, qui sera en action ce soir. Et il va tout péter. Il casse absolument tout, Kane. Ah, on attend quelqu'un d'autre. Ah ah ah. Mesdames et messieurs, la question que je vais vous poser maintenant est très importante. Who wants to walk with Elias? Mesdames et messieurs, Elias est là. C'est un match triple menace donc. Est-ce que ce soir, Elias va avoir sa première victoire, hein? On sait qu'il a fait ses débuts et on a vu qu'un seul match de lui d'ailleurs. Il avait malheureusement pas gagné ce match, mais là ce soir c'est une nouvelle chance de pouvoir remporter un match. Elias contre Kane contre Seth Rollins pour ouvrir Monday Night Raw. Ça c'est de gros noms. Ça va être intéressant. Elias a l'air déterminé et il le faut. De toute façon, il faut que Elias soit déterminé. Il le faut, il n'a pas d'autre choix, Elias. En tout cas, les trois sont prêts. Les trois sont prêts, ça va faire mal. C'est parti. Hashtag Raw. En tout cas, Rollins s'est bien fait dégager. Oh, Kane qui enchaîne Elias de coups de poing et qui tombe. Et il blesse le bras droit maintenant. Ramène au sol, projection dans les cordes, coup de pied dans la face. Ça rigole pas. Oh,
Seth Rollins qui se fait stocher à Seth Kane aussi sur Rollins. Ça va vite, hein. Et oh, magnifique de la part de Seth freaking Rollins qui tord la tête du monster maintenant, du Big Red Monster. Allez, 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 Elias. On veut Elias. Collision entre les deux. Elias qui projette cette Rollins dans les cordes. Oh, magnifique. Attention, oh, Rollins qui s'écroule. Oh, Elias. Et Kane qui s'occupe de lui en lui tordant la jambe. C'est pas sympa, ça. Il étouffe. Et Kane qui remet l'Elias au centre du ring. Le tomber, le tomber, le tomber. Hein. Dégagement. Bah oui, c'est trop tôt. Bah c'est trop tôt, voyons. Oh, kick. Regardez, Rollins. Oh, kick dans la face. Et Rollins. Oh, oh my god, il a complètement loupé sa cible, cette Rollins. Aïe, 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 aïe. Et attention, cette relute. Oh, 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 oh. Oh my god. Il vient juste de détruire. Il vient tout juste de détruire. Kane, attention. Et kick dans la face. Allez, Kane. Allez. T'es foutu. Cette relute va gagner. Non. Cette relute. Et coup de genou dans la face. Oh. Quel enchaînement, le tomber, 1, 2, et non, dégagement de Kane, simplement 2, close line de Seth Rollins, Kane qui revient, et oh, tête, face première, oh, Kane qui imite son frère The Undertaker, qui d'ailleurs, hier soir, lors de Fastlane, a battu John Cena. Voilà, on fait l'annonce. Il a battu John Cena. Reste plus que WrestleMania. Et il se sera imposé le Taker. D'ailleurs, Fastlane est disponible depuis hier soir 21h. N'hésitez pas à aller le voir. On a eu beaucoup de changements. On a eu beaucoup de beaux matchs. C'était un pay-per-view très intéressant. Elias qui met une pression sur l'épaule de Kane. Rollins qui revient. Elias. Oh, qui se jette sur Rollins et qui l'enchaîne deux coups de poing. Le tombé d'Elias. 1. Dégagement. C'est beaucoup trop tôt. Apparemment. Il met une pression sur l'épaule de l'architecte. Et oh, coup de poing dans l'abdomen de Rollins qui contre. Rollins, il a sur les épaules. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, tape contre le coin. Oh, Elias, il s'est écroulé. Et il s'écroule à l'extérieur. Et tandis que Kane s'occupe de Rollins. Et il fait tomber. Et le tomber, le tomber, le tomber. 1, 2. Et non, dégagement encore une fois de la part du Big Red Monster Kane. Contre Kane qui porte Rollins qui s'échappe. Rollins. Oh, magnifique neckbreaker sur Kane. Il a relevé le géant. Oh, Elias qui se jette dans le vide. C'est pas intelligent, ça. Oh non. Oh my god. Cette Rollins, cette prise qu'il vient de faire sur Kane. À l'extérieur, le powerbomb à l'extérieur du ring. Je crois qu'il vient de détruire. Il vient tout simplement de détruire Kane. Cette Rollins, il veut se faire un nom. Il veut son match à WrestleMania. Et pour ça, regardez ce qu'il fait. Et superplex sur Elias. Et il enchaîne avec une suplex. Holy shit, le tomber.
1. Dégagement. Oh, j'aurais pas cru. Oh, j'aurais cru que ce serait terminé là pour Elias. Attention, non, non, il contre. Oh, coup de poing. Coup de poing. Un coup de poing. Attention, Elias. Qui fait. Non, c'est Rollins qui contre avec des coups de poing. Coup de poing d'Elias. Oh, il fait tomber Rollins sur sa jambe. Attention, Kane qui projette Elias dans les cordes. Oh, Big Boot dans la face. Oh, aïe, 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 il est tombé. Un. Dégagement. Dégagement, dégagement, c'est trop tôt. Un petit choc slam peut-être. Oh. Oh. Oh, oh, Kane qui étouffe Elias. Kane qui étouffe Elias. Kane. Kane. Oh, Elias qui abandonne. Victoire de Kane sur une soumission. Kane qui a fait abandonner Elias. Il a étouffé. Il a étouffé. Victoire du Big Red Monster Kane. Tandis qu'on revoit le replay, les meilleurs moments de ce match. Et on a eu de très bons moments. Hein. Ouais, bien sûr, le coup de genou de Seth Rollins. On a également eu ce powerbomb là à l'extérieur. Oh, ça magnifique, ce crossroads. Et là, Seth Rollins qui fait basculer Kane. Pour une tentative de tomber. Qui n'a pas été bonne. Et il s'est dégagé. Et là. Et pour Seth Rollins qui lâche prise à l'aide des coups de poing d'Elias. C'est une victoire. The Big Red Monster qui s'impose ce soir. Mais est-ce qu'il sera lors du show des immortels WrestleMania le 8 avril prochain? C'est la question que l'on se pose. En tout cas, mettez le feu ce soir. Voici mesdames et messieurs, Ruby Riott qui arrive. C'est un match féminin donc qui s'approche. Ruby Riott face à qui elle va qui va-t-elle affronter en gros, voilà. Qui va-t-elle affronter ce soir Ruby Riott qui s'impose hein, depuis ses débuts à Raw. Elle a fait deux matchs et elle s'est bien imposée. Moi je pense que c'est la future Raw Women's Champion. On rappelle que lors de WrestleMania, Becky Lynch a annoncé qu'elle allait défendre son titre féminin dans un Hell in a Cell match. Ça va être la première fois que des women vont s'affronter dans un Hell in a Cell match. Lors de WrestleMania, ce ne sera pas le premier Hell in a Cell match. Mais lors de WrestleMania, oui. Eh oui. Qui va être la challenger donc de Becky Lynch? Mesdames et messieurs, voici donc l'adversaire de Ruby Riott ce soir, Dana Brooke, qui aurait pu, lors d'Elimination Chamber, devenir Raw Women's Champion. Elle aurait pu, elles auraient toutes pu, mais c'est donc Becky Lynch qui avait réussi à remporter ce titre. Ce match peut être intéressant entre les deux. On sait que lors du dernier épisode de Raw, Sasha Banks était dans ce match. Les deux y étaient, c'était un match triple menace. Et Ruby Riott avait gagné ce match. Et là, un affrontement entre les deux, ça peut être très très intéressant. Donc on aura deux matchs féminins car Becky Lynch a été annoncée comme présente ce soir et qu'elle allait affronter une woman. Donc on ne sait pas qui encore, mais... En tout cas, on sait que Becky Lynch sera là. Brock Lesnar est également annoncé. Certainement pour affronter Big Cass une nouvelle fois.
Et le main event, AJ Styles contre le Big Show. C'est parti pour ce match féminin. Oh, Dana Brooke qui balance Ruby Riott en arrière, direct. Et Dana Brooke qui balance Ruby Riott en arrière encore une fois. Attention, elle est sur la deuxième corde. Le splash esquivé. Et coup de genou de Ruby. Qui projette Dana Brooke dans les cornes. Sasha s'esquiver. Projection dans le coin. Ruby Riott, le running bulldog à la CM Punk pour ne citer que lui. Attention, elle s'échappe. Oh, coup de poing, elle est tombée. KO. Ruby Riott. Et le... Oh, les deux genoux en plein milieu de la face là de Dana Brooke. Magnifique. Brise-mâchoire. Ruby. Oh, qui se fait repousser de la part de Dana Brooke avec Oudbeu sur le chassé. Magnifique. De la part de Dana Brooke. Eh oui, maintenant le prochain pay-per-view. Ce WrestleMania. Le 8 avril. Ne l'oubliez pas, c'est des horaires différents de ceux d'habitude. Le pay-per-view sera disponible à 20h, tandis que le kick-off sera publié et disponible à 19h. Ah, des horaires spéciaux. Oh, coup de pied dans l'abdomen. Ruby Riott, oh, qui se prend un coup dans le dos de la part de Dana Brooke. Elle contre avec un coup de poing. Et elle balance Dana Brooke en arrière, magnifique. On rappelle qu'il y aura également le Hall of Fame disponible à 21h le vendredi 6 avril. Le Hall of Fame du mode univers, je précise. Et bien sûr, NXT Takeover le lendemain. Chanson Ruby Riott qui vient de sauter dans le vide. Et elle balance Ruby en arrière. Dana Brooke qui se laisse pas faire, qui veut s'imposer. Le tomber. Un dégagement. Ah, Dana Brooke, elle dit, elle débarque, elle bat tout le monde, elle fait sa maline. On va vite la calmer, nous. Ici c'est Raw, ma petite gamine. Et encore, elle la balance en arrière. Je ne sais pas si c'est très bien de faire ça. Oh, elle s'écroule. Magnifique. Attention, elle la balance. Nice. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, mais elle s'est... Oh, elle fait tomber Dana Brooke. Il y a des décomptes à l'extérieur. Et le neckbreaker de Ruby Riott. Oh, elle a projeté Dana Brooke contre les escaliers en acier. On est à 7. Attention. C'est bon, elles sont toutes les deux revenues dans le ring. Ruby, qu'est-ce que tu fais? Ruby! Elle a... Oh! Magnifique descente, là. Elle s'est jetée sur Dana Brooke. Elle encourage les fans à faire du bruit. Faites du bruit pour Ruby Riott. Oh, coup de coude. Oh, magnifique! Le tombé. Un. Dégagement. Simplement un.
Dana Brooke qui est sur le descend des coups d'esquivé. S'est jetée dans le vide. Elle se relève avec difficulté, Dana Brooke. Tandis que Ruby Riott, un kick dans la face. Prise de finition. C'est terminé pour Dana Brooke. 1, 2 et 3 victoires. Une nouvelle victoire pour elle ce soir. Ruby Riott s'impose une nouvelle fois ici à Raw. Moi je vous le dis, après WrestleMania, ou si c'est pas lors de WrestleMania, c'est Ruby Riott qui va remporter le titre. C'est clair. C'est clair que c'est Ruby Riott. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires et dites une note sur 5 du show globalement et de votre meilleur match de la soirée. Pour l'instant, j'ai pas de meilleur match de la soirée, les deux sont très bons, autant le premier que celui-ci. J'ai hâte de voir les autres. En tout cas, Ruby Riott, et là, ce kick dans la face d'Anna Brooke, elle a rien compris, quoi. Et bim! Nice! De différents angles de vue en plus, c'est parfait. Ruby Riott s'impose petit à petit, elle s'impose, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, elle ne se laisse pas faire. Contrairement à Elias, elle a des victoires. Elias pour l'instant, il galère un peu. Ça viendra peut-être, ça viendra. Il faut du temps. Elle est déterminée, on le rappelle, elle a fait qu'un seul épisode d'NXT. Eh ben, ça nous a tous marqués. Voici, mesdames et messieurs, celle qui n'est pas aimée, mais c'est notre Raw Women's Champion, Becky Lynch, the Irish Last Kicker. Elle est là ce soir. Eh non, l'univers de la WWE ne l'aime pas, et ça c'est depuis ses débuts à NXT. Elle avait une tension avec Sasha Banks l'année dernière, lors d'NXT. Et après, elle est arrivée dans le roster principal et on l'a très peu vue. Et là, à Raw, eh ben, elle s'est faite vite un nom et elle est devenue championne, bah oui. Qui va-t-elle affronter ce soir ? Ah, c'est une adversaire intéressante là. C'est pas n'importe qui. Ancienne SmackDown Women's Champion, Alicia Fox. Eh oui, deux. Une ancienne championne affronte l'actuelle championne. Ben, en tout cas, elle n'est pas appréciée non plus. Hein. Donc, les fans, il va falloir faire un choix, il va falloir se décider. Hein. Il va falloir se décider. Et vous, quel est votre choix, Becky Lynch ou Alicia Fox? C'est parti! Hashtag Raw, une nouvelle fois sur les réseaux sociaux. Elle la balance en arrière. Blesse le bras gauche. Alicia Fox qu'il faut... qu'elle s'impose direct face à la championne pour l'impressionner et pour impressionner tout le monde. Mais Becky Lynch revient, le balance en arrière. Kick dans le dos encore une fois. Becky Lynch qui projette Alicia Fox dans les cordes, se chasse esquivé. Coup de poing d'Alicia Fox. Projette Becky dans les cordes. À la porte, non. Oh, elle écrase au sol. Avec une telle violence. DDT de Miss Foxy. Becky Lynch qui fait tomber Alicia Fox. Elle la relève. Oh, Atemi, wouh! Un coup de poing.
Oh, magnifique. De la part d'Alicia et du côté de SmackDown Live également, on a eu un changement de titre hier soir. Je ne vous dis pas qui est la nouvelle championne. Le pay-per-view est disponible. N'hésitez pas à aller le voir. On a eu du changement. On a eu beaucoup de changements d'ailleurs. Coup de poing d'Alicia. Il y a des comptes à l'extérieur. Oh, kick dans la face. Non, 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 non. Oh, coup de pied dans l'abdomen. Ah, ce serait compliqué là si Becky Lynch perd contre Alicia Fox. Pour la confiance, c'est pas top. Manchette à l'européenne de la championne. Alicia qui la remet dans le ring. C'est bon. Tout le monde est revenu dans le ring. Becky, Becky, Becky. Oh! Ça fait mal ça. Projection dans les cordes. Oh, leg drop! Encore. Et leg drop. Très bel enchaînement. Becky, que fait-elle, Becky? Alors, ce facebuster, je peux vous dire que Becky Lynch va s'en souvenir. Oh, coup de poing dans l'abdomen, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Magnifique. Alicia Fox. Et non, elle compte, Becky Lynch. Que fait-elle? Oh, elle a balancé en arrière. Oh, c'est mal barré là pour Alicia Fox. Une fois que Becky Lynch réussit à balancer son adversaire de l'autre côté du ring comme ça, c'est mal barré. Becky. Becky. Oh! Encore une fois. Le tombé. Même pas un zéro. Voilà, c'est trop tôt, c'est pas suffisant. Alicia Fox est quand même une ancienne SmackDown Women's Champion. Oh, le Disarmer! Le Disarmer de Becky Lynch! Alicia Fox, elle abandonne! Victoire de notre championne, Becky Lynch! Elle a de suite abandonné Alicia Fox. Hein. Elle a pas eu le temps de... À peine elle avait le bras bloqué, elle a direct abandonné pour pas, ben pas, pour pas être blessée, justement. Mais qui va donc affronter notre championne lors de WrestleMania pour le titre dans un Hell in a Cell? Moi, j'aimerais bien Natalia. C'est l'ancienne championne. Elle n'a pas eu son match revanche. Moi, j'aimerais bien Natalia. D'ailleurs, on ne l'a pas vue depuis quelque temps, notre Natty. Natty préférée. Becky est là. Très belle victoire. Mais les fans ne l'aiment toujours pas. Bah ben, tant pis, elle essaye, au moins elle essaye. C'est déjà ça. Mesdames et messieurs, voici venir The Beast Incarnate, Brock Lesnar. Oui, Brock Lesnar est là et il n'est pas accompagné de son avocat ce soir, Paul Heyman. Brock Lesnar arrive seul pour affronter le champion intercontinental une nouvelle fois dans un match simple où le titre n'est pas en jeu. Il faut une victoire pour Brock. Il faut prouver à tout le monde que c'est lui qui va repartir de WrestleMania champion. Si, je le redis encore une fois, si Brock Lesnar ne remporte pas le titre intercontinental à WrestleMania, on boycotte WrestleMania. Clairement. Big Cass, il est champion depuis TLC. Depuis novembre. Ou octobre. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il est temps de changer. Et Brock Lesnar, on le rappelle, lors du dernier épisode de Raw, mais il a battu Big Cass.
Voici donc, mesdames et messieurs, le champion intercontinental, Big Cass, qui, on le rappelle, avait remporté ce titre intercontinental des mains du Heartbreak Kid Shawn Michaels dans un TLC match. Et qui depuis, il est toujours champion. Hein. Et il a battu plusieurs fois Brock Lesnar, mais depuis quelques semaines, depuis quelques temps, c'est plus pareil, c'est Brock maintenant qui le bat. Ça va très bien, c'est Monday Night Raw, ça va très bien. Les deux sont prêts. Et Brock, oh Brock, oh il est vénère je crois. Et Big Cass aussi est vénère, en fait les deux sont vénères. Oh, Brock qui se laisse pas faire. Et c'est ce qu'il faut. Regardez, il soulève le Seven Feet Tall à la force des bras. Oh my god, cette démonstration de force. Attention, c'est le neckbreaker. Et il explose la tête. Une nouvelle fois, Cassie se venge. Brock Lesnar le projette dans le coin. Oh, coup de genou dans l'abdomen. Et puis Cass qui le repousse. Tu vas arrêter de faire ça. Oh, contre. Brock Lesnar, ancien UFC Heavyweight Champion in the World. Oh. Ancien champion des États-Unis. Ancien champion du monde poids lourd. Brock Lesnar dans la WWE, oui, dans le mode univers. Il a déjà un bon palmarès. Oh, le Kimura Lock! Le Kimura Lock sur Big Cass! Le Kimura Lock! N'abandonne pas Big Cass! Oh, il contre, il s'échappe! Oh, rares sont ceux qui ont fait ça! Kick dans le dos! Un coup de poing dans l'abdomen. Il ramène au sol. Non, il le bloque. Close line. Et il le tape la tête au sol encore une fois, mais c'est pas vrai. Et coup dans le dos. Brock qui est en difficulté. Et leg drop esquivé. Eh oui. Il a anticipé Brock. Projection dans les cordes. Descente des points. Oh Big Cass. Qui est tellement rapide. Regardez. Oh. Le tombé. 1. Dégagement. Simplement 1. Les fans qui scandent Suplex City. Est-ce qu'on va y avoir droit ce soir? Une pression là sur l'épaule. Et coup d'épaule de Brock Lesnar. Suplex City? Non. Il a sur les épaules Big Cass qui rentre, Scorpion Dead Drop. Big Cass qui va terminer Brock. Non. Oh Brock qui porte Big Cass. Et il fait tomber face première contre le coin. Ah si le coin était non protégé, ça va faire mal. Ça aurait fait mal plutôt. Qu'est-ce que je dis moi? Allez Brock, Suplex City. Oh, le Kimura Lock une nouvelle fois.
Prise de soumission. Allez, Brock. Tape, tape, Bicasse. Eh non, il contre, il s'échappe encore une fois. Et il le pose sur le haut de ce coin. Bicasse au place arrière. Oh là 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 là. Le tombé, le tombé. Un dégagement. Descendre du coude en plein sur la tête là. Bicasse qui est épuisé. Bicasse qui est épuisé. Il est essoufflé. Et il porte Brock. Et push de finition. C'est fini. 1, 2. Et non, Brock il se dégage. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? D'accord. Oh, coup de pied. Oh, les fans qui veulent voir des souplexes. Et Brock qui est trop en difficulté pour faire quoi que ce soit. Il est malmené là, Brock Lesnar. Il contre, coup de coude. Oh, Brock, ça y est, suplex series here. Voici des German suplex. Allez, la deuxième. Et la troisième, allez. Ça dégage. Oh, le Kimura Lock, une troisième fois. Une troisième fois sur Bicasse. C'est peut-être la bonne. Eh non, il contre encore une fois, mais c'est pas vrai. Oh, coup de genou. Les coups sont d'une violence. On entend les coups à chaque... C'est violent. Voilà, c'est violent. Et Brock qui contre. Scorpion Dead Drop. Il a sur les épaules. Et Brock Lesnar qui a Bicasse sur les épaules pour le F5. Oh, c'est fait, le tombé. 1, 2 et 3, victoire de Brock Lesnar. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'il a subi dans ce match, Brock. Oh, il a pris tellement de coups, il a pris tellement cher, Brock Lesnar. Mais il s'en sort, il s'en sort. Une nouvelle victoire pour Brock. Il réfléchit. Non. Mais non, oh Brock qui attaque Bicasse. Oh non. Il faut blesser Bicasse. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Allez, blesse-le. Mesdames et messieurs, c'est The Phenomenal One, The Universal Champion, AJ Styles, qui n'est pas apprécié par l'univers de la WWE. En fait, ils apprécient personne, quoi. À part l'adversaire d'AJ Styles, son rival. Lui, il est apprécié. Mais quant à AJ Styles, lui, pour l'instant... Eh ben, il est champion depuis WWE One Night Stand, qui est eu en janvier. Et pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. Ce soir, AJ Styles a besoin d'une victoire pour se mettre en confiance pour WrestleMania. Et surtout pour montrer à son adversaire, à son rival, qu'il ne le battra pas à WrestleMania.
Superstar de l'année 2017 dans la réalité à la WWE. Ça veut tout dire. Et voici le vainqueur du Royal Rumble 2018, the world largest athlete in the world, the Big Show. Oh yeah. On se pose tous la question, est-ce que le Big Show va réussir à battre AJ Styles lors de WrestleMania pour le titre? Ah ben s'il bat ce soir, c'est un signe. En revanche, s'il perd ce soir, pas trop bon, c'est pas trop bon. On rappelle que AJ Styles a battu le Big Show lors d'Elimination Chamber avec un KO Punch. Il a battu le Big Show avec sa propre prise de finition. Ce soir, c'est le main event de la soirée. C'est parti! AJ Styles qui attaque direct. Oh, le Big Show, il se laisse pas faire coup de poing de Styles. Oh, le Big Show le repousse. AJ Styles, oh, il balance le Big Show en avant. Le tomber. Mais non, zéro, mais il est débile ou quoi, AJ Styles? Le match vient de commencer à 30 secondes et il fait déjà le tomber. Le Big Show qui le repousse, bah oui. Oh, un coup à l'arrière de la tête. Coup de pied. Oh, le Big Show qui enchaîne AJ Styles de coups de poing. C'est bien, il faut le blesser. AJ Styles qui contre. Que fait-il? Que fait-il? Oh, il fait tomber le géant sur son genou. Coup d'épaule. Il l'a relevé AJ. Il le projette ensuite dans les cordes. Oh, collision. Il est tombé sur un mur là, AJ. Étirement des jambes. On salue d'ailleurs nos commentateurs français et québécois. Christophe Agius et Philippe Chéreau, bien évidemment, du côté d'AB1. Il balance en arrière. Et le Big Show coup point KO punch. KO punch sur AJ Styles. Oh, il place le dos. Coup de poing dans l'abdomen de la part d'AJ. Surpassement par-dessus les épaules. Projeté de corde, AJ Styles en coup de coude du Big Show. Il a AJ sur les épaules, il contre, il leur ramène Facebuster. Too sweet. Voilà le signe qu'il fait. AJ. Oh, il contre Tornado DDT. Magnifique. Projection dans les cordes. Qu'est-ce que... Oh, descend du genou, magnifique. Il relève le Big Show. Le Neckbreaker. AJ Styles. Sur le haut de ce coin. Il est ready to fight. Oh, clothesline. Le Big Show qui prend un peu de recul. Qui reprend un peu son souffle. AJ Styles. Oh, kick dans la face du géant. De la part du géant plutôt. Styles et Groggy. Et le spear contré en DDT. AJ. AJ. Quel Big Show sur les épaules. Oh, la tête qui tape le genou.
Et Big Show qui contre avec un coup de genou dans la face. Est-ce qu'il a armé? Est-ce qu'il a armé le KO Punch? Oh, il se jette. Et clothesline. Il projette Styles dans le coin. Oh, il se jette. Projection dans les cordes. Et oh, il se jette aussi. Magnifique enchaînement du Big Show. Et il est très chaud ce soir en tout cas. Magnifique leg drop. Allez, le tomber, le tomber, le tomber, le tomber, le tomber, le tomber, le tomber. 1, 2, dégagement. Ça passe pas, Big Show il en revient pas. Et nous non plus. Oh, il a armé, il a armé, il a armé le KO Punch. KO Punch sur AJ Styles. 1, 2, et non, dégagement d'AJ. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce possible? Une pression sur l'épaule. Oh, coup de genou d'AJ. Le Neckbreaker. Mais est-ce que AJ Styles peut faire le Styles Clash sur le Big Show? Parce que quand même, il faut soulever le géant. Et il est un peu trop grand. Donc je me pose la question, est-ce que The Phenomenal One peut faire le Styles Clash sur le Big Show? Coup de genou. Il le porte. Oh, il fait tomber sur le genou. Le splash esquivé. AJ, il a sur les épaules. Oh, une seconde fois. Ça fait mal pour le Big Show, ça fait très mal. Qu'est-ce que... Oh, encore une fois, il adore frapper avec le genou AJ Styles. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Non. Le Phenomenal Forearm. Magnifique. Avec ça, il peut battre le Big Show, le tomber. 1, 2, et 3, victoire du champion universel. AJ Styles. Et oui, il ne peut pas faire le Styles Clash, mais le Phenomenal Forearm. Eh, j'avais oublié. Il peut, AJ, il peut. Et oui. Magnifique. Et là on revoit. Oh là là, oh là 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 là, le Big Show il a pas du tout vu venir ça. Ça a été un excellent show mesdames et messieurs. Un plaisir une nouvelle fois d'être au rendez-vous avec vous. N'hésitez pas à dire vos notes dans les commentaires, à dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du mode univers sur WWE 2K18 avec notre champion AJ Styles. Bonne soirée à tous.